Salam alaikum, Mazulf Laoun, bonjour. C'est un truisme que de dire que l'urbanisme est l'un des fondements les plus importants, si ce n'est le plus important, de la cité. Au plus loin que nous pourrons remonter depuis que les hommes ont appris à cohabiter, à coexister, ils ont eu besoin d'aménager l'espace de leur cité, de la même manière qu'ils réglementent leurs rapports réciproques. Et c'est ainsi qu'est né ce consensus, puis les lois qui l'étayent, pour que nul ne puisse investir l'espace, y ériger des constructions, sans se conformer aux règles établies, de façon à ne pas empiéter sur le domaine public, ni de produire une quelconque nuisance à autrui. Ces règles s'appliquent à tous, sans aucune exception. Aucune exception. Y compris pour les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ne peuvent en aucun cas déroger aux règles urbanistiques en vigueur. Ce qui est malheureusement loin, très loin d'être le cas en Algérie, où les particuliers, comme les pouvoirs publics, violent allègrement le peu de normes qui sont parvenues un tant soit peu à survivre dans un pays où l'anarchie la plus totale sévit en matière d'urbanisme, où la lèpre grise a pris possession des villes et des campagnes, où même les anciennes villes, dont leur beauté et l'harmonie qui les distinguait, ont été défigurées. En Algérie, dès la fin des années 60, d'abord timidement, puis de plus en plus ouvertement, puis de plus en plus outrancièrement, les règles urbanistiques ont été outrepassées dans une connivence quasi générale où la compromission et le laisser-faire des pouvoirs publics sont devenus monnaie courante. Les gens ont commencé à construire comme ils voulaient, où ils voulaient, jusque sur les espaces publics, jusque sur les trottoirs, domaine public par excellence. Les pouvoirs publics eux-mêmes, pris en otage par une faune de commis de l'État indélicats, ont dévasté le domaine public et le domaine privé de l'État, jusqu'à vendre des espaces verts urbains à des particuliers, jusqu'à faire construire sur des lits d'oued. Les marchés publics étaient devenus des aubaines pour une faune de prédateurs, où la corruption passait les limites les plus inimaginables, jusqu'à livrer des immeubles d'habitation qui ne répondent pas aux normes les plus élémentaires. Les dégâts qui ont été provoqués par le séisme de Boumerdès, si vous vous en rappelez, en 2003, a montré de quoi sont capables les commis de l'État indélicats et leurs complices entrepreneurs. De livrer des immeubles, des résidences, des écoles qui risquent de s'effondrer à la première vibration venue. La ville, la nouvelle ville de El Menjli, près de Constantine, qui relève d'El Khouroub, dont les abcès sociaux commencent à crever les uns après les autres, montre bien les signes d'un triste record en matière de plus mauvaise réalisation du genre. L'avenir nous dira très certainement. Les dernières inondations dans cette ville, comme dans d'autres nouveaux quartiers, à Constantine, Batna, Khenchla et dans toute la région, après une pluie qui n'a pas été si catastrophique que ça en soi, montre toute l'étendue des dégâts et dire que des sommes faramineuses ont été engagées dans la réalisation de ces nouveaux ensembles d'habitations. Dire qu'avec les mêmes montants, s'ils avaient été gérés par des responsables honnêtes et compétents, nous aurions pu obtenir des merveilles. C'est à l'instar de l'autoroute Est-Ouest, ce projet du siècle, ce fameux projet du siècle. C'est à l'instar de tout ce qui se construit et qui insulte le sens même de la civilité, de la citoyenneté, du sens de la cité. Et ainsi, après les dernières précipitations, des inondations ont provoqué des désastres, mais aussi des pertes humaines. Non pas parce qu'il y a eu un déluge, c'est juste une pluie, j'allais dire presque normale, mais parce que les normes en matière d'urbanisme et de sécurité n'ont pas
été observées. Parce que tout simplement, des ensembles d'habitations ont été construits sur des zones inondables. Parce que les systèmes d'évacuation des eaux de pluie ne sont pas aux normes. Parce que l'anarchie urbanistique est totale. Que les pouvoirs publics sont passés maîtres en matière de bricolage, d'improvisation, de malfaçon fautive et même de malfaçon frauduleuse. Un architecte m'a confié un jour que l'Algérie est le seul pays au monde où les trémies sont inondables. La ville de El Menjili est l'archétype de cette immense débâcle. Toute une ville construite en un bloc, en une fois, de la plus mauvaise façon qui puisse s'imaginer. Une catastrophe urbanistique, de l'avis de tous les spécialistes en la matière. On n'aura peut-être jamais réalisé, dans l'histoire de toute l'humanité, un tel condensé d'absurdité architecturale, ni fait une telle injure à l'urbanisme, à la population et à la gestion de la ville. Aujourd'hui, El Watan. Constantine sous le chaos des eaux, négligence coupable. Par Nouri Nesrouch. L'Est républicain. Pluie torrentielle et inondations, des dégâts matériels dans plusieurs localités des Aurès. Par N. Baka. L'expression. Inondation, 4 morts entre Constantine et Betna, des crues meurtrières. Par Ikram Roua. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Abdelhamid Boudaoud, président du Collège national des experts architectes. Abdelkrim Chelroum, président du Club des risques majeurs, expert en génie parasismique et catastrophe. Sofiane Jaïch, citoyen résident à El Menjili. Abdelwahab Zaatri, polytechnicien. Nous allons commencer par Sofiane Jaïch, citoyen qui réside à El Menjili, qui va nous parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. Sofiane Jaïch, merci d'être avec nous. Sofiane. Oui, bonjour à toutes. Bonjour. À tous. Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend très bien. Alors, merci d'être avec nous, Sofiane Jaïch. Sofiane Jaïch. Oui. Vous habitez à El Menjili, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, oui, je vous en prie, racontez-nous un peu ce que vous avez vu, quelle a été donc cette catastrophe qui vous est tombée dessus. Je vais parler, je vais m'étaler essentiellement sur mon expérience, sur mon vécu, sur l'instant précis de la catastrophe, je dirais. Je ne vais pas m'étaler, bien sûr, sur tout ce qui est système d'assainissement et les dégâts des eaux et les problèmes qui sont suivis. En rentrant, bien sûr, du travail, comme chaque jour, aux environs de 16 heures, une pluie légère commence à tomber avec de la grêle. Naïvement, mais sur le premier temps, je me suis inquiété beaucoup plus sur mon véhicule, les dégâts qui vont se faire sur la carrosserie. J'avais aucune idée de la catastrophe, du chaos qui allait se passer après. Minute après minute, surtout sur l'entrée de la nouvelle ville, à El Menjili, je commence à voir le niveau de l'eau monter petit à petit, centimètre après centimètre. Là, je commence à m'inquiéter. Mais après, instinctivement, j'ai essayé de trouver, de monter plutôt le plus haut possible. La nouvelle ville, schématiquement, c'est une sorte de pente. J'ai essayé de monter au maximum pour éviter, bien sûr, la montée des eaux. Il y a eu des routes bloquées. L'accès principal, le carrefour principal, a été totalement noyé par les eaux. Il y a eu une montée des eaux. Il y a eu même un engloutissement total, presque total, de quelques véhicules. La plupart des gens étaient obligés de sortir de leur véhicule, de le quitter pour sauver leur vie. Et est-ce qu'il y a eu, de l'eau, est-ce qu'il y a eu du sinistre à l'intérieur des appartements? Oui, les appartements, surtout sur l'entrée de la nouvelle ville, type social,
Il y a eu même les cages d'escalier ont été totalement englouties. La montée jusqu'à surtout les commerces, tout ce qui était dans le rez-de-chaussée, il y a eu des dégâts terribles, je dirais. Il y a eu des victimes à Ali Manjili, Monsieur Jaysh, M. Sofiane Jaysh. Oui, ce que j'ai entendu, il y a eu beaucoup de sirènes, on entendait l'allée-venue des services civils, des pompiers, tout ce qui s'ensuit. J'ai entendu dire qu'il y avait eu deux décès, malheureusement une femme d'une trentaine d'années, je pense, qui occupait un commerce, plutôt un atelier de couture, situé au rez-de-chaussée d'une villa, juste à l'entrée de la nouvelle ville. Et je pense un deuxième décès, un jeune garçon électrocuté, à mon avis. Malheureusement, peut-être qu'il y a eu plus, mais c'est ce que j'ai entendu. Il y a eu deux décès. Mais Sofiane Jaysh, à votre avis, vous qui habitez cette ville qui, à chaque fois, nous réserve des problèmes énormes. Délinquance, violence, débauche. À quoi sont dues ces inondations? Pourquoi il y a eu trop d'eau, trop de pluie? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi une telle catastrophe? Ce qu'on a entendu dire sur la radio juste après, il y a eu 100 mm, à mon avis, de retombées de pluie. Ça équivaut à un trimestre de retombées. En principe, avec un système d'assainissement fait dans la règle des arts, en principe, il n'y aurait pas eu cette catastrophe, je dirais. Je ne suis pas spécialiste, bien sûr, mais je parle en tant que simple citoyen. Mais à raisonner très simplement, Ali Menjli a quelques encablures de Constantine, par exemple, ou d'El Khroub. Pourquoi y a-t-il eu la même pluie dans la vieille ville sans inondation? Et dans la nouvelle ville, inondation, je crois que le problème saute aux yeux, quoi. C'est un problème d'assainissement très vraisemblablement. Problème, l'urbanisme à la va-vite, je pense. Si on compare entre la vieille ville construite depuis 1800 et quelques, par contre la nouvelle ville, ça date d'à peine 10-15 ans. Oui. Restez avec nous, Sofiane Jaysh, restez avec nous. Abdelhamid Boudaoud, merci d'être avec nous. Abdelhamid Boudaoud, vous êtes président du Collège des experts architectes d'Alger. Du Collège national des experts architectes. National, pardon, excusez-moi. Oui. Vous êtes établi à Alger, à Kouba, c'est bien ça. Oui. Dites-moi, si Abdelhamid Boudaoud, à votre avis, pourquoi de telles inondations se produisent dans une ville qui est quasiment neuve? Elle date d'une dizaine d'années. Le Collège national des experts. Vous avez entendu ma question? Il me semble qu'il y a un retour. Vous pourriez peut-être éteindre votre télévision, ou le son, du moins. Baisser le son. Non, certes, le problème, il n'est pas là. C'est comme, sachant pertinemment, pour réaliser une ville, il nous faut minimum 50 ans à 60 ans. Regardez. Certes, je suis en train de... Il y a un retour. Il faut baisser le son de votre téléviseur. Oui. Il faut le baisser complètement, parce que sinon, il y a un souci. Voilà. Je disais, pour réaliser une ville, il nous faut minimum 50 ans à 60 ans. Regardez la ville d'Alger. Regardez. Par exemple, regardez la ville d'Alger, Constantine et Oran. À ce jour-là, on n'a pas achevé les villes. Oui, je vous en prie, poursuivez. On n'a pas achevé les... On réalise toujours. Malheureusement, pour Ali Menjli, c'est un révolutionnaire qui est décédé en 98. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit vivant et de voir la catastrophe de la ville qui porte son nom. Qui porte et aussi son nom. La catastrophe, disons, de cette ville-là, dont l'urbanisme n'a pas été respecté. Et surtout,
l'assainissement, les voiries, les VRD n'ont pas été respectés et n'ont pas été faits dans les règles de l'art. On voit aussi que les avaloirs n'ont pas été, disons, n'ont pas été nettoyés, sachant pertinemment que la fin du mois. Moi, j'ai appelé l'ONM, l'Office national de la météorologie, il y a 2 semaines, quand il y avait des intempéries en Italie, j'avais attiré l'attention pour qu'ils lancent et de mettre les communes en contact et de leur dire de se préparer s'il devrait y avoir des intempéries. Et voilà, nous sommes à Constantine, il y a 3 morts, et nous, maintenant, ces morts-là, qu'est-ce qu'on doit faire? À chaque fois, il y a des morts. On n'a pas appris la leçon de Bebelouet. Bebelouet, il y avait des milliers de morts. Laissez-moi vous dire une chose, que le 11-1-2010, il y avait une personnalité du ministère d'Hydraulique qui avait annoncé qu'il devrait y avoir des zones, une cartographie de toutes les zones inondables en Algérie pour définir les zones à risque, avec un portefeuille de 40 milliards. Et le 23-11-2012, une autre déclaration d'un autre ministre de l'Hydraulique, une étude est lancée pour les études des zones inondables en Algérie à l'aide d'images satellites ou juridiques. Mais, monsieur le ministre de l'Hydraulique, les premiers résultats seront connus dans une année. Le 8-12-2014, de nouveau, une déclaration du ministère de l'Hydraulique disait que 50 villes réellement exposées au risque devront avoir leur cartographie des zones inondables. À ce jour-là, on n'a pas. Mais pourquoi on a... Abdelhamid Boudaoud, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la cause du sinistre de Bebelouet qui a causé tant de morts? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Il y avait le regard. Il y avait aussi le Hassim Qissel. Il y avait l'ouest de Hassim Qissel, de Beni Messous et de Frévalon, qu'on n'a pas respecté. On pouvait éviter. Oui. Abdelhamid Boudaoud? Oui. Je vous en prie. On pouvait éviter cette catastrophe. Malheureusement, on n'a rien fait pour l'éviter. Autre que cela, et on devait apprendre la leçon. Mais c'est comme nous sommes des mauvais élèves, on n'a pas appris la leçon. Il n'y a pas Constantine. Il y a Batna, il y a Khanchla, et chacun. Et parlons aussi du sud. Il y a Tamaracet, il y a Élysée, et le reste. Ce qu'on demande, c'est les cartes des zones inondables. À ce jour-là, il n'y a pas de communes qui n'ont pas ces cartes-là des zones inondables. On réalise des lycées, on réalise des logements sur des ouettes et quand, l'urbanisme. Et maintenant, on a la politique du chiffre. L'État, moi je ne compte pas la faute à l'État, l'État met le portefeuille sur la table. Mais malheureusement, on n'a pas de cadres qui peuvent... secondes qui peuvent mener les projets à bon escient. Mais Abdelhamid Boudaoud, expliquez-moi une chose. Expliquez-moi, expliquez-nous, parce que les téléspectateurs vous écoutent. Comment peut-on autoriser une construction d'une infrastructure ou d'un ensemble d'habitations sur une zone inondable, sur un lit d'oued, par exemple? Comment cela peut-il être possible? Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de gens dans la société civile qui peuvent stopper ce genre de projet? Non, moi je dirais, l'Algérie a les meilleures lois qui existent. Mais malheureusement, on n'a pas d'hommes qui appliquent les lois. Ce qui nous manque, c'est l'application. Et surtout... Je vous en prie, on vous écoute. Laissez-moi vous dire qu'en 1976, on n'avait que 50 architectes et 8 ingénieurs. Et maintenant, à nos jours, nous avons 12 000 architectes et 6 000 ingénieurs génie civil. Mais on n'écoute pas. Attends, ce qui nous manque en Algérie, c'est la communication. C'est la communication. Moi, je donne un exemple. Il y a la commune de Ali Menjni. A-t-elle fait un jour, a-t-elle pensé un jour d'organiser une journée, disons, des journées de sensibilisation et d'inviter la population pour leur parler de ces problèmes-là, de l'urbanisme, etc., etc. Laissez-moi vous dire une chose. Et c'est comme on a des lois et on n'a pas des gens qui les appliquent. Nous sommes arrivés à avoir 1 200 000 bâtisses inachevées et hors normes et illicites. Et disons qu'on a la police d'urbanisme. Quel est le rôle de cette police d'urbanisme? Non, pensons à notre pays. Pourquoi? Moi, ce que je dirais, on a mis sur la table une stratégie. Disons, on a 1541 communes. Demandons aux communes de recenser leur patrimoine, le patrimoine immobilier, et de le classer.
et de recenser le patrimoine foncier et le besoin, et de là de voir si vraiment on a besoin, y a-t-il une crise ou pas. Il y a 1 500 000 logements qui sont inoccupés, sont fermés, et on dit qu'on a une crise de logement. Et maintenant, à chaque fois quand il y a des morts ou il y a des catastrophes, il y a le plan hors sec, et c'est la protection civile qui prend tout sur le dos de la protection civile. Mais est-ce qu'on peut parler encore d'urbanisme dans ce pays où la lèpre grise, le béton, est en train d'envahir la campagne, les terres agricoles, de bâtir sur des espaces verts, de bâtir sur des espaces qui sont prévus pour faire construire des écoles, de bâtir sur des trottoirs, de bâtir n'importe comment, de la façon la plus hallucinante qui soit. On peut parler encore d'urbanisme en Algérie ? Non, moi je dirais on a raté l'urbanisme, le dernier découpage administratif de 1984. Je cite un exemple, on avait 31 wilayas et on a ajouté 17 wilayas. Ces wilayas étaient vierges, telles que je donne des exemples. Tipazam, Silam, Le Bouari, Timoujent, etc. C'est là qu'on pouvait récupérer et d'avoir un urbanisme et un quartier architectural. Malheureusement, on a fait de la politique. Oui, je vous en prie. Abdelhamid Boudaout, nous l'avons perdu, nous essayons de le retrouver. Je reçois à présent Abdelkrim Chelroum, expert en risque majeur que j'ai présenté tout à l'heure. C'est Abdelkrim Chelroum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'une pluie, selon vous, de cette intensité, très moyenne en fait, peut provoquer un tel sinistre dans des conditions normales? Eh bien, c'est une... Je vous remercie, c'est une excellente question. D'abord, si vous me permettez, je tiens à présenter toutes mes condoléances, ainsi que ma compassion pour les familles qui ont perdu un leur, ainsi que pour celles qui ont perdu beaucoup de biens. Voitures, maisons délabrées, effondrées, suite aux intempéries qui ont touché la région de la ville de Constantine. Maintenant, pas seulement Constantine, Batna, Ali Menjli, Khenchla et beaucoup d'autres localités. Oui, Batna, Khenchla, Ali Menjli. Je parle la dernière catastrophe de Constantine. Comme vous le savez, juste après le séisme de Boumerdès en 2003, mai 2003, il y a eu une certaine volonté des pouvoirs publics pour associer la société civile et les experts indépendants qui connaissent ce domaine, donc des risques et puis des problèmes de prévention, des risques et des catastrophes. Donc il y a eu cette commission auquel j'avais participé. Et nous avons élaboré une loi, la loi 02-2004, qui concerne toutes les procédures et toutes les dispositions pour contrecarrer, pour gérer toutes les catastrophes naturelles, principalement les inondations et les séismes. Donc, pour ce qui est des inondations, je me limite à cela. Donc, une stratégie de prévention de ces risques, de ces catastrophes, a été élaborée et, pour vous dire, votée par les deux chambres, la PM et le Sénat. Malheureusement, toutes les dispositions, toutes les méthodologies, les procédures de combattre justement tous les effets de ces phénomènes catastrophiques sont bien clarifiés dans la loi. Malheureusement, cette loi est restée d'être morte dans les tiroirs du gouvernement. Et voilà, on s'aperçoit, depuis les inondations de Bebeloued, nous avons tiré la sonnette d'alarme en 2001, et puis sont venues après beaucoup d'autres inondations, dont d'autres wilayas. Je tiens à signaler uniquement la plus importante qui a fait plus d'une centaine de victimes, celle de la vallée d'une Zat, de Gardaïa, en 2008. Oui. Et là, on a pu remarquer qu'il n'y a absolument aucune politique en matière d'urbanisation
qui est mise sur chantier en Algérie. C'est-à-dire que c'est une urbanisation archaïque. Mais Abdelkarim Chelroum, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Abdelkarim Chelroum, moi j'appartiens à une génération, je me rappelle, où il y avait de l'urbanisme. Je me rappelle par exemple, après l'indépendance, les premières années 60, personne ne pouvait construire comme il voulait. Il y avait des normes très strictes, il y avait un contrôle de l'administration. Il était inimaginable d'empiéter sur le domaine public de l'État ou le domaine privé de l'État, de construire sur un trottoir. Il était inimaginable de couper un arbre. Ou il était inimaginable de construire, d'avancer vers le trottoir, de construire autant d'étages qu'on le voulait. Comment, la question que je voulais vous poser, comment en étant arrivé petit à petit à nous délester comme ça de toute règle pour revenir à la préhistoire de la cité? Non, mais c'est un problème. Vous savez, tout a été dit, tout a été écrit. On avait parlé des zones inondables par wilaya, par commune. Ali Menjli figurait. Moi-même, j'ai fait une expertise de sol à Zouari, à quelques encablures de Ali Menjli. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme concernant les terres là-bas. Les nappes d'eau étaient à fleur de peau, comme on dit, et puis les sols sont lâches. Parce que je ne parle pas uniquement des inondations. Imaginez un petit séisme de 6 dans la région. Moi, je peux vous dire que la majorité des bâtiments vont s'écrouler. Donc, pour ce qui est des inondations, donc il y avait une politique, si vous voulez, un système national de veille d'alerte qui a été élaboré dans la loi. Mais ce système de veille d'alerte, normalement, c'est au ministère de l'Intérieur de le déclencher. Il ne l'a pas déclenché parce qu'il n'a pas les paramètres, il n'a pas les données. Et parce que rien ne fonctionne, malheureusement. C'est triste de le dire. Donc, c'est une gestion, dans la précipitation, c'est-à-dire une gestion, une navigation à vue. Pour la gestion des risques majeurs. Et là, je dis à vos confrères, là, que sur le plateau de Choro, il y a juste une petite heure, et celle de Naha. Malheureusement, vous savez, un chat, il faut l'appeler par son nom. Moi, je ne peux pas dire qu'un chat, c'est un lion ou bien un chien, Hachek. Donc, la problématique des catastrophes, la gestion des catastrophes naturelles, ce n'est pas une partie de domino. Je tiens à répéter et à annoncer à ces responsables en place dans ce pays. C'est une gestion très, très sérieuse, donc ça doit relever de la sécurité nationale. J'avais demandé l'installation d'un monsieur risque par wilaya, d'un monsieur risque par commune et d'un monsieur risque à l'échelle nationale. Et ce monsieur risque, normalement, il doit contrôler ce que vous venez de dire, M. Péchineau. Comment en matière d'implantation de grands projets d'habitation, de grands projets industriels comme des Didouettes. Moi, je peux vous donner des exemples ici, dans la région d'Alger, à Sherada, par exemple. C'est des milliers de logements promotionnels qui sont vendus à des coûts de 3 et 4 milliards de centimes, implantés dans des Didouettes, pas dans les abords, dans le lit majeur. Dans le lit, mineurs, en plein lit Didouettes. Et je peux vous donner des centaines. Je vous donne le lit, le louette de Zouawa, de Kawish, le louette de Bimsous. C'est des projets étatiques. Mais comment cela peut-il être possible? Abdelkarim Chelroum, excusez-moi de vous interrompre. Comment cela peut-il être possible? Comment peut-on construire une ville tout entière, en un bloc, sur un terrain dont vous nous dites que si demain il y a un séisme sur l'échelle de 6 seulement, la plupart des immeubles vont s'effondrer. Comment peut-on autoriser un tel projet? Et comment peut-on ne pas le dénoncer aujourd'hui? Comment ne pas faire déménager ces gens sur lesquels pèse la mort imminente? Monsieur Belchenov, nous, on est là, et puis on a pignon sur rue, et on parle technique. Et à chaque fois, on tire la sonnette d'alarme. J'ai expertisé plus de 3000 bâtisses après les séismes de Boumerdès, et puis j'ai remis ça sur instruction du procureur général lors du procès. Donc tout a été dit.
et l'État y est pour beaucoup. La réglementation y est pour beaucoup. Donc, et puis, ça continue, comme je vous ai dit, c'est une navigation à vue. Il n'y a pas de débat national sur ce problème. Ils ne consultent pas les experts. C'est une loi qui est appliquée bureaucratiquement par des bureaucrates. Et puis, il n'y a pas de commission. Vous savez, il y a les Benjamin maintenant. Est-ce qu'il y a une commission nationale d'enquête? Non. Batna. Non. Quelques jours avant. Est-ce qu'il y a une commission d'enquête? Non. La seule commission d'enquête, c'est lors du séisme de Boumerdès, auquel j'ai participé. Mais c'est resté. Elle a terminé en queue de poisson, malheureusement. Comme toutes les commissions, généralement, ça finit en queue de poisson. Restez avec nous. Restez avec nous, Abdelkrim Chilroum. Je reviens à vous dans un petit instant. Abdelwahab Zaatri. Monsieur Abdelkrim Chilroum, qui est un expert reconnu, nous dit que sur la ville de, dans la ville de Ali Menjili, la nouvelle ville. Merci d'abord d'être avec nous, Abdelwahab Zaatri. C'est moi qui vous remercie, monsieur Jamaldine. Alors, cet expert nous dit que la ville est construite sur un terrain où l'eau est à fleur de sol, quasiment, et que si demain il y a un séisme de faible magnitude, 6 environ, la plupart des immeubles vont s'effondrer, vont s'écrouler. Comment cela a-t-il été possible? Comment ils ont pu construire une telle ville? Et comment peut-il aujourd'hui, les gens la gérer? Et je sais qu'elle est gérée par le maire d'El Khroub, puisqu'elle relève encore de la ville d'El Khroub. Comment ce maire peut-il ne pas attirer la sonnette d'alarme, ne pas demander à la limite, quoi que ça puisse coûter, le déménagement des habitants de cette ville vers des lieux plus sûrs, ou alors est-ce que je dis n'importe quoi? Non, non, vous avez raison, j'ai suivi le débat. Le débat est très, disons, révélateur de la réalité que nous vivons. En fait, ce que révèlent ces inondations, qui, somme toute, n'est qu'un simple orage. C'est une simple pluie d'orage. Et je viens de confirmer qu'il y a eu 6 morts en total. 6 morts? 6 morts au total. Où, juste où? À Ali Menjili ou partout? 5 à Ali Menjili et une personne à El Khroub suite à une électrocution causée par aussi l'eau donc, qui a diffusé dans les... 6 morts? 6 morts rien qu'entre Ali Menjili et El Khroub? Oui, et puis donc c'est un truc... c'est un phénomène révélateur de notre incompétence à construire des villes sur des bassins, sur des bases scientifiques et notre incapacité à prévenir les catastrophes aussi, parce que les catastrophes viennent et ne nous avertissent pas. Donc, pour moi, c'est une chose normale, comme l'échec en médecine, l'échec dans la formation, l'échec dans la constitution des villes, c'est pareil, ils ont construit. Et l'imagerie sur un large terrain derrière l'aéroport de Constantine. Et c'est vraiment une catastrophe au point de vue de conception. C'est une catastrophe encore pire sur le plan de la gestion. Si vous allez vers cette nouvelle ville, vous serez pris d'angoisse parce que vous allez sûrement penser qu'elle a été construite pendant la préhistoire. Vous n'avez que des bâtiments les uns derrière les autres. Donc, à longueur de vue, une boîte derrière une boîte. Il n'y a aucune conception architecturale qui sous-tend cette ville. Il n'y a aucun urbanisme. Et ça contraste tout à fait avec la ville de Constantine que nous connaissons. L'ancienne ville qui est belle, qui est un chef-d'œuvre finalement architectural et urbanistique. Les ponts, la conception des ponts, Le théâtre, les médinas, les vieilles souéqas, Sidjilis, les vieux quartiers de Constantine. Et je rappelle, pour apporter de l'eau à votre moulin, Abdelwahab Zaatri, que la même pluie de même intensité qui a plu sur Ali Menjili a plu sur Constantine, une vieille ville avec de vieilles masures, de vieilles bâtisses, il n'y a pas eu d'inondation. Oui, oui. Mais vous avez aussi... la conception des villes, comment se sont superposées les différentes cultures, les différentes constructions. Et vous avez une ville magnifique où il y a le modernisme européen, il y a l'islam,
Donc le turc, il y a l'arabe, il y a le berbère, il y a tout. C'est une mosaïque culturelle qui est très belle. Quand nous recevons des visiteurs étrangers, là, nous avons autant nous sommes fiers de leur montrer notre ville, Constantine, Sirta, autant nous sommes déçus et nous avons honte de les emmener vers la nouvelle ville. C'est un no man's land. Donc, vous avez des constructions qui se ressemblent à vue d'œil. Et de là, c'est là où naissent les bagarres. La délinquance, la débauche, la violence. Exactement. Et même les cas de pédocriminalité qu'il faut quand même souligner. C'est dans ces zones-là qu'ils ont surgi. Donc, les enfants qu'on a tués, pratiquement des bébés. Oui. La fameuse de histoire qui a 500 fait la sinistre histoire. Et donc, parce que l'architecture et l'urbanisme influencent aussi le mental et la sociabilité des gens, les uns vis-à-vis des autres. Oui, oui. Tout est lié. Et alors, vous avez un échec. On dirait qu'on a fait exprès de faire du n'importe quoi. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatri. Restez avec nous, j'imagine. Qu'un système médiocrate ne peut pas faire de belles choses. Mais je reviens à Sofiane Djaïch. Sofiane Djaïch, vous qui vivez dans cette ville, Ali Menjili, essayez de nous parler un peu de cette ville, comment les gens y vivent, comment ils s'y sentent, est-ce qu'ils y sont bien ? Je dirais que la presse l'a bien décrit en un mot dans la nouvelle ville. C'est une cité dortoir. Pour résumer la chose, on travaille le matin et on part dormir le soir. Il n'y a pas d'activité, d'espace vert, il n'y a rien à faire, je dirais. Il n'y a que des bâtiments après bâtiments. D'ailleurs, les experts ont bien expliqué la chose, la situation, ce qui se passe ici. Un agglomérat de gens, des bâtiments. Sociaux avec des gens de différentes mœurs. Il y a eu des cas plusieurs cas de bien sûr de vol, de l'insécurité reine ici. Combien il y a d'habitants à Ali Menjili? Combien il y a d'habitants? Minimum 300 000 habitants, je dirais. 300 000. Tous entassés dans une cité dortoir où il n'y a ni espace vert, ni espace de loisirs, ni agrément, oui. Ni... Bien sûr, ça entraîne directement la délinquance, tout ce qui est vol, l'insécurité règne ici. Et en ce moment, après les inondations... Est-ce que la population compte se mobiliser pour s'organiser, demander aux autorités de prendre en charge l'assainissement de la ville, l'évacuation des eaux de pluie de laisser aller ici. La plupart des gens sont désespérés. Ils attendent. On vit de jour en jour, je dirais. Sofiane Djaïch, merci. Restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdelhamid Boudaoud, vous êtes avec nous? Je suis toujours présent. Alors, on a fait le triste constat, c'est vraiment sinistre, c'est sinistre ce que vous nous dites, le constat que vous faites est terrible, est terrifiant. Mais sinon, selon vous, il y a des solutions? Les solutions existent? Moi, je dirais... Je vous en prie. J'entends pas bien. Je vous posais la question de savoir s'il y a des solutions à cette catastrophe qui est devenue notre pays en matière d'urbanisme, entre autres. Nous, on a réalisé, parce que on fait partie de la politique du nombre, on a réalisé 10 000, 100 000 logements, ok, mais il faut... Oui, on vous écoute, poursuivez.
Oui, on a réalisé, on applaudit. Mais les pauvres gens qui habitent à Al-Menjili, c'est les gens qui habitaient les bidonvilles. Ils n'ont pas pratiquement une culture d'architecture, ou aussi l'ingénieur. Même nos responsables, ils n'ont pas une culture d'architecture et d'urbanisme, il faut le dire. Moi, je dirais en amont, qui a fait le choix du terrain de cette zone-là? Moi, il y a 10 ans, en 2000, quand j'avais dit que ça serait une catastrophe, tout le monde m'a appelé le chat noir. Et quand il y avait un ministre de la ville, il a dit, oui, il y a un architecte qui a soulevé ce problème-là. Il est arrivé à dire, qu'est-ce qu'une catastrophe? Alors là, ils m'ont dit, ah, monsieur Boudaoud. Moi, de toute façon, pour moi, je suis modeste et je garde mes pieds sur terre. Je dirais, comment on a réalisé, pour réaliser une ville, il faut tout un panel d'experts, un architecte, un ingénieur, un anthropologue, un sociologue, un psychologue et un habitant, et de composer avec la population et de ne pas... Nous sommes en 2015 et la plupart des projets se font en douceur. Après, quand on passe, on voit, ah, il y a un nouveau projet, ah, il y a un autre projet. Maintenant, ces morts-là et ces inondations-là et cette médiocrité, comment faire? On va composer une commission. Oui, il devrait y avoir... Permettez-moi de le dire en arabe parce que... Djini Hloua. Kounou Nujna, on dort sur le Qadia, on bada n'atou comme les résultats. Hein, Washin? On bada dans un tiroir et on ne parle plus au suivant. Disons, arrêtons le massacre. Auditons les maîtres d'ouvrage et laissons les techniciens travailler. Si le technicien commet une faute, il y a la justice. À ce jour-là, on n'a jamais vu passer un gars de l'administration devant la justice. Pour vous dire, je suis arrivé à la conclusion à dire que la bureaucratie tue plus que le séisme, tue plus que l'inondation. Voilà, il faut le dire. Mais là, c'est des solutions. Est-ce que des solutions existent en l'état des choses? Certes, des solutions existent. Certes, des solutions existent. Mais pas dans la précipitation. Chez nous, en Algérie, l'étude, elle a 3 mois et la réalisation, elle demande 10 ans à 20 ans. C'est le moment ou jamais de laisser le problème, de le mettre sur les bras des techniciens et aux techniciens de résoudre ce problème-là. Merci. Merci, Abdelhamid Boudaoud. Abdelkrim Chelroum, même question, est-ce que vous entrevoyez des solutions à cette catastrophe? Il y a une seule solution, il n'y en a pas 36 000 pour les catastrophes, c'est vraiment une politique de prévention, une stratégie de prévention qui doit être appliquée, je dis bien, par des organes indépendants. Comme ça se passe aux États-Unis et pas mal de... Oui, mais nous ne parlons pas des projets à venir. Nous parlons des infrastructures et des ensembles d'habitations qui ont déjà été construits en violation de toutes les normes admises. Je l'ai dit, j'avais posé le problème de la Grande Mosquée. Je ne sais pas si vous êtes de la Grande Mosquée d'Alger qui a été implantée dans un vitouet, voie du Haraj. Où il y a actuellement pas mal de problèmes, des carences, il y a des viaducs, celui de Constantine, à quelques encablures d'Ali Benjli, le célèbre viaduc, qui pose, dans le pylon numéro 4, pose un gros problème, ils essayent de le cacher maintenant. La solution, à mon avis, c'est une expertise fine, par toujours des organes indépendants, pas par l'administration, parce que c'est elle qui est à l'origine de cette carence, de toutes ces carences, que ce soit l'autoroute et les grands projets du siècle, et puis de là, passer probablement à la délocalisation complète, la démolition et la démolition des ouvrages. Par exemple, Ali Menjili, vous envisagez de faire déménager les gens? Ali Menjili, par exemple. À mon avis, il parle, votre invité parle de 300 000 habitants, je crois qu'il n'est pas loin du chiffre, et puis, pour Ali Menjili, je ne sais pas, mais... il faut trouver une solution de délocalisation d'une partie de la ville, après expertise toujours, parce qu'on ne peut pas décider de but en blanc comme ça, mais expertiser et probablement délocaliser les zones où le risque est grand, c'est tout, parce que ça dépend de la zone où sont implantés les ouvrages. Maintenant, mais vous nous parlez par exemple, de la grande mosquée qui est implanté sur ce projet de grande mosquée, implanté sur un lit d'ouette. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont devenus fous? Pourquoi ils font ça? Oui. Pourquoi il leur manque? C'est pas les espaces qui manquent. Pourquoi choisissent-ils un lit d'ouette pour ériger
une construction oui, d'une. Chimio. Oui. Au moment de son implantation, au moment de sa décision, j'avais pris mon stylo, j'avais écrit, je suis passé sur les plateaux, j'ai dit attention, on connaît bien ces terrains sédimentaires. Et puis ils ont continué dans la bêtise. Et je peux vous dire que les fondations, ça je sais de quoi les fondations, les infrastructures de cette mosquée ont coûté pratiquement plus de 40% du montant global qui avoisine les 2 milliards de dollars. Donc tout ça à cause du sol, ils auraient pu économiser ces 40% si le choix du terrain était tout autre, un terrain beaucoup plus robuste, beaucoup plus stable. Malheureusement, leur politique est claire, on a été traité de tous les noms, je ne vous cache pas. Vous avez dérangé des intérêts. Parce qu'on avait parlé, je tiens à le préciser, parce que beaucoup de gens jouent à l'amalgame. Je n'ai jamais été contre la grande mosquée. Je suis contre l'endroit où a été implantée la grande mosquée. C'est tout. Abdelkarim Chelroum, je vous remercie. Je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. C'est très intéressant ce que vous nous dites. J'espère que vous reviendrez pour nous expliquer plus avant, ainsi qu'Abdelhamid Boudaoud. Un dernier tour de micro pour Sofiane Jayah, je m'excuse d'avoir mal prononcé son nom, et Abdelwahab Zaatri. Sofiane Jayah, est-ce que les habitants de Ali Menjli vont s'organiser? Sofiane? Oui, vous pouvez répéter la question. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que les habitants de Ali Menjli pensent s'organiser pour faire face aux périls qui les guettent? Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus être alerté au moins un jour à l'avance avec un PMS, disons, qui pourrait avoir une sorte d'inondation, au moins être, c'est pour ne pas être pris de court, comme ça s'est passé avant-hier. Il y a eu non seulement des dégâts matériels, mais il y a eu des morts. Il y a eu mort d'or. Oui. Merci beaucoup, Sofiane Jayah. Merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt. Abdelwahab Zaatri, le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui, je pense que quand on a fait une première erreur, c'est-à-dire de construire sur un mauvais sol ou d'une mauvaise manière, on peut toujours techniquement récupérer les situations, donc faire un pompage de l'eau dans les zones qui sont censées être inondées ou bien créer des lits pour évacuer l'eau. Il y a toujours des solutions techniques. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de responsabiliser ceux qui sont responsables. Par exemple, c'est de demander au maire de la ville de s'expliquer sur cette situation. Pourquoi, par exemple, la catastrophe est arrivée? Pourquoi les interventions ont tardé jusqu'à ce qu'il y ait eu perte de vie humaine? Toutes ces choses-là méritent que les responsables s'expliquent et ne viennent pas seulement se donner en spectacle quand on fait une fête pour la ville de la culture qui, en fait, on en a vu de culture, rien du tout. Dire à Abdelwahab qu'ils ont investi des sommes faramineuses pour un projet de pur prestige qui ne fait honneur à personne, en fait, alors que tout autour, c'est la misère, c'est le danger, c'est le sinistre qui guette. Oui, c'est effrayant. Le mot pour la nouvelle ville, quand vous vous baladez dedans, c'est effrayant. Je vous assure que c'est effrayant. Ça vous donne de l'angoisse. Ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas de sens. Des bâtiments après des bâtiments et des bâtiments. Je vous assure, j'ai visité beaucoup de villes, j'ai vu beaucoup. Je n'ai jamais vu, même en Algérie, une conception de ville ou d'une partie d'une ville aussi maladroite. Vous savez ce qu'on devrait faire, Abdelwahab? On devrait condamner tous les responsables, tous les maires, à aller habiter là-bas. Peut-être bien, ça leur donnera des... Oui, on devrait les condamner, eux et leurs familles. C'est uniquement parce que si nous en sommes arrivés là, parce que ces maires ont pris les postes pour s'occuper de leurs enfants et pour promouvoir leurs enfants et faire semblant de travailler pour les autres.
Merci Abdelwahab Zaatri, merci Abdelhamid Boudaoud, merci Abdelkrim Chelghoum, merci Sofiane Diaye. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Au plaisir de vous revoir. Salam alaikum. Qawala khair. Salam alaikum.